déjà moins pire. Alors on va les finir. Ça, en fait, c'est à cause de ça ici. Quand je bouge la luminosité, ouais. Que s'il y a trop de luminosité, il devient flou.
Bienvenue à ce troisième match à domicile 2023 de football division 3. Ce soir, les filles du cégep de Terrebonne reçoivent les Gaillards du cégep de Jonquière. Put some respect on my name. Deux équipes de s'aligner sur leurs lignes respectives, s'il vous plaît.
Veuillez maintenant vous lever et retirer chapeau et casquette pour l'interprétation ce soir de l'hymne national. Je vais interpréter par Mademoiselle Ophélie Hamel, étudiante au programme Musique Études du Cégep de Medford. Thank you.
Et puis pour débuter le match, les Guidons vont recevoir le botté d'envoi. Voici les officiels de la rencontre. Le juge de terrain, numéro 32, François Bisson. Le premier juge de ligne, numéro 238, Guillaume Diaz. Le deuxième juge de ligne, le numéro 186, Pascal Beaulieu. Et les arbitres en chef, le numéro 22, Martin Dion. Et le numéro 35, Jean-Christophe Côté. Et sur ce, bon match, mesdames et messieurs! Are you ready? Course de 6 verges, 2 essais. Et de deux verges. Deuxième essai. Le carrière partant ce soir pour les filons numéro 12, Charles Dubier Côté. Course de 9 verges du numéro 39, Arthur Mézurek. Course de 10 verges qui donne le premier essai. Et les pions sont maintenant à la ligne de 34. Course de deux verges, deuxième essai.
Oh, les courses du nom de Dan Favre, victoire. Et les clients sont maintenant la ligne de 12. La ligne de 17. Deuxième essai et une. Prenons échappé le couvert par les gagnants. Et les gagnants prennent possession du ballon à leur ligne de 13. Premier essai. Le coréen ce soir du côté des Gaillards, le numéro 8, Olivier Lefebvre. Complétion numéro 6, Germain Lévesque. Et les gars sont maintenant à la ligne de 42. Let's go, Tedford! Partisans des pilons! Faites du bruit! Passe incomplète. Deuxième essai. Elle est du côté de Jean-Pierre pour avoir revenu. Passe capté par le numéro 1, William Fortin. Et les gars sont maintenant dans la zone des filons à la ligne de 50.
Alors c'est complété, jeu de l'hiver, jeu deuxième essai et deux. N'oubliez pas d'encourager nos vendeurs de moitié-moitié qui circulent parmi vous. Ce soir, on fait tirer un maillot de match des filons de l'édition 2020. Faut qu'on revienne sur ce jeu. N'oubliez pas ce soir, en tout début de la mi-temps, une prestation de l'équipe 2023-2024 de nos cheerleading sous la gouverne des entraîneurs Ève-Marie Routier et Sarah-Jade Fillon et Noémie Poulin. Des jeux de trois verges. On fait ça à la bonne fringuette. On flash à gauche, on tourne à droite. C'est comme ça que ça se passe au Québec. On fait ça à la bonne fringuette. Course de 7 verges qui donne le premier essai. Et les gaillards sont maintenant à la ligne de 26. Hey, partisans des filons, on a vraiment besoin de vous autres! Le 20 verges qui donne le premier essai. Puis les gagnants sont maintenant à la ligne de 4. Ce jeu, dernier essai. On aimerait remercier quelques commanditaires, Ville de Tête-Feu, de Desjardins, RCGE.
Société Gérard Saint-Pierre, Pro Mutuel, Service Sanitaire Fortier, Seigneur Pétal, député Isabelle Lecour, Pro Design, Castel-Pesté, à cette impunité, à de bus boulet, Autobus plein soleil. Faut-il réussir? Et les gaillards s'inscrivent au pointage de la marque maintenant de 3 à 0. Sac du corps, perte de terrain, 3e essai. Complète 4e essai. Thank you.
tour de beauté du numéro 88, Matteo Sankara.
de l'été de 15 heures au filon. Pour vous dire, sont encore en arrière. Et les gaillards sont maintenant dans la zone des filons, la ligne de 50. Pour ce deux, trois verges et puis deux, notre premier essai au gaillard. Everybody, let your head. Pour
Ça fait deux verres jusqu'en arrière. Deuxième essai. Hey, let's go les partisans des filants. J'entends rien. Faites ce bruit. Course de deux verges, numéro 33, Ivan Nikamou. Pour le toucher. Côté réussi, et d'ailleurs ajoute 7 points, finalement maintenant de 12 à 0. Les résultats du côté de nos filons, belle performance de nos filons, soccer masculin, T2 cet après-midi à Matane, victoire de 5 à 0. Hockey T2 masculin, à Rimouski cet après-midi, victoire de 8 à 6 des filons. Notons aussi la victoire de nos filles T2 au hockey. Dans le match de 2 à 1 contre 3 Rivières. Et finalement, nous tenons à souligner la présence des Montagnards juvéniles qui ont gagné 52-21 hier contre Montmagny. L'État Gaillard est du côté des Alouettes, victoire de 32-15 contre Rouge et Noir. Aucun gain sur ce jeu, deuxième essai. Passe incomplète. Troisième essai. Yeah.
N'oubliez pas d'encourager ce soir les vendeurs de moitié-moitié qui circulent parmi vous et pour la chance de gagner le maillot de match des Filons de l'édition 2020. N'oubliez pas aussi, en début de la mi-temps de prestation de l'équipe 2023-2024 de cheerleading sous la gouverne des entraîneurs Emmanuel Routier, Sarah Jade Fillon et Léonie Poulin. On vient aussi. Et les Filons s'inscrivent au pointage alors que maintenant de 12 à 7 pour les Gaillards. Je vous entends! Go, Deadbird! Go! Go, Deadbird! Go! Go, Deadbird! Go! Thank you.
sur les petites berges qui viennent à remercier. Une course numéro 33. Et les Gaillards ont maintenant la ligne de 54 défilants pour les essais. Hey, partisans des filons, on a vraiment besoin de vous autres. Faites du bruit pour encourager notre défensive. Faites du bruit! Pensez complet, quatrième essai. Okay.
Course de 5 verres, troisième essai. Ça n'a rien demandé par des gaillards, par des filons. Passe incomplète, quatrième essai. Et c'est la fin de la première demi et la marque de 12-7 pour les Gaillards de Jonquière. Thank you.
complexe avec une prestation de l'équipe 2023-2024 de training sous la gouverne des entraîneurs Hermanie Routier, Sarah-Jeanne Fillon et Léonie Poulin.
Et pour débuter cette deuxième demi, les gaillards vont recevoir le côté d'envoi. Quelques commanditaires, la ville de
de Tedford, Desjardins, RCGT, Igère Saint-Pierre pour le duel, service acteur sportif, c'est Yves Metal, député Isabelle Lefour, pour des ailes castiques classiques à cette activité, autobus Boulet et autobus de Flesley.
Boris contre les Gaillards. Côté réussi, les Gaillards ajoutent 3 points et le manque maintenant de 15 à 7. Des rudesses côté des Gaillards et les clubs qui deviennent le ballon, la ligne de 54 des Gaillards. On est resté.
tirs de filon maintenant à la ligne de 47. Passe incomplète. Deuxième essai. Deux verres, troisième essai. Was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bobby of Tea. The wind blew up her bow, the pound of woe, my dear boy, no. Soon may the man come to bring the sugar and tea and rum. One day with a turn in his hand, he'll take a leave and go. She ran into it from shore, and him and her a wreck will board. The captain called all hands and swore he'd take their whaling tow. Soon may
pour ce deuxième troisième essai. Course de 6 belles, deuxième essai. Et c'est la fin du troisième quart, la marque de 15 à 13 pour les gagnants. Je vais arriver au billet de moitié-moitié, je vais annoncer le numéro gagnant au prochain arrêt de jeu. Voici le numéro gagnant du tirage à moitié-moitié, le numéro de 021-821, 021-821. Et pour le chandail, le 021-816. Pour le chandail, le numéro de 021-816. Les gagnants se présentent au restaurant, s'il vous plaît. Course de 5 verges qui vont donner le premier accès au gaillard. Pour tous ceux qui ont attrapé une boîte de pizza Salvatore, vous avez jusqu'à demain pour récupérer votre pizza.
course de 32 verges, le numéro 4, Alexis Pantois, pour le toucher. On aimerait remercier quelques commanditaires, Bisson Chevrolet GMC, Le Cap, Le Château Ford, Le Petit-Cine, Grand Fortin, Dépanneur, Huit-Verlange, DFM, Le Mécanique, Groupe d'Arthur, Martin Beaufort, Tecnocure, Kémoirel et Pizan, Salvatore. Thank you.
Ça complète le quatrième essai. Thank you.
trompés, on va plus voir le filon. Maintenant, on est récupéré, on va le 32, ils arrêtent du monde. Passe incomplète, le deuxième essai. Pas incomplète, troisième essai. Passe capté par numéro 2, Sacha Lambert, premier essai. Il plonge maintenant avec le 5 complètes, deuxième essai. Aucun lien sur ce jeu, troisième essai. Thank you.
Passe incomplète pour le quatrième essai. Passe incomplète. Et les gagnants vont prendre position du ballon à la ligne de 50, premier essai. Course de 3 vers le 3ème essai. Demandez aux spectateurs de bien vouloir ramasser les déchets et détritus à la fin du match, s'il vous plaît. Merci.
Donc, il fait une position qui va en ligne de 43, premier essai. Passe incomplète, deuxième essai. Premier essai au défilant, la ligne de 32. Passe incomplète. Deuxième essai. Passe incomplète. Troisième essai. Victoire des Galères de Jonquière dans la rampe de 22 à 13.
Donc, je vous invite au prochain match local des Filons, samedi 28 octobre, 20h. Alors que les Cougars du Cégep de Chicoutimi seront les visiteurs. Donc, le prochain match local de nos Filons, samedi 28 octobre, à 20h. Donc, on vous remercie d'être venus et bonne fin de soirée.